on attend le train de pied ferme à la station du quartier. Des tours à logement sont déjà érigées, d'autres sont en construction. Des résidents habitent sur place. Il y a un parc, des restaurants, un hôtel, des bureaux, un pavillon de l'Université de Montréal. Une nouvelle communauté prend vie autour de la gare du réseau express métropolitain. Il y a le bâtiment ici qui est directement relié au REM, alors on a vraiment hâte que ça démarre. Ça va me rendre direct au travail, parce que dans le fond, je travaille au centre-ville. Les voisins sont bien, il y a des restaurants un peu partout, fait que c'est vraiment le fun, ouais. On veut créer une ville où les gens décident d'y habiter, à travailler, se divertir. La mairesse de Brossard se montre assez satisfaite du solaire uniquartier. Ce secteur densifié est ce qu'on appelle en anglais un TOD, un aménagement axé sur les transports en commun. C'est pas un projet axé autour de l'automobile. C'est sûr que si vous venez en auto, vous pourriez stationner, mais c'est plutôt piétonnier et cycliste pour les gens qui veulent prendre le REM. Près de 3000 logements sont déjà construits, un nombre qui pourrait doubler d'ici la fin de la décennie. À terme, ça serait un projet probablement dans les eaux de quelque chose comme 3 milliards de dollars. C'est le groupe Devimco qui est derrière le nouveau quartier. De loin, le développement immobilier le plus avancé autour d'une station du REM. La première pelletée de terre était 2017, mais on a commencé à travailler le site en 2013, donc on était quand même d'avance. Et une belle localisation aussi. Il y avait la chance ici d'avoir un terrain qui n'avait pas grand-chose sur le terrain. C'est pas parfait comme projet, mais en termes d'intégration avec la station qui est à proximité, en termes de densité, de commerce et tout ça, ici, on est vraiment là, dans les meilleures pratiques. Le bémol, la construction d'une école n'est pas prévue, du moins jusqu'à présent. La rétention des familles sera plus difficile. Ce qu'on veut quand on densifie, on veut pas juste les gens quand ils sont jeunes et quand les enfants sont plus à la maison, quand ils sont plus âgés. On veut les garder durant tout leur cycle de leur vie. J'aurais fait des plus grands espaces verts. J'aurais intégré une école primaire. Selon moi, ça l'aurait fait que ce soit l'exemple cité à travers tout le Québec. Si on aurait pu intégrer ces volets-là, ça aurait été encore meilleur. La densification s'étendra de l'autre côté de l'autoroute sur le site du quartier 1030. C'est vraiment un des terrains qui a le plus grand potentiel de redéveloppement dans le Grand Montréal et sa valeur n'est pas dans les bâtiments qui sont là. Prochaine station, Panama, en bordure du boulevard Taschereau. Le REM offre une occasion de revitaliser ce secteur où s'articulera le futur centre-ville de Brossard. Les bâtiments un peu plus rapprochés au boulevard, un peu plus de hauteur, mais avec une belle mixité, puis des aménagements qui vont permettre, des aménagements verts, permettre aux gens de se promener à pied, à vélo, pour que ça devienne un boulevard dont on peut tout être fier. Le réaménagement devrait commencer d'ici 5 ans. Des immeubles allant jusqu'à 30 étages pourraient faire leur apparition près de la gare, notamment sur le terrain de l'ancien supermarché Loblaw. Avec ces nouveaux développements, la ville gagnera des dizaines de milliers de résidents. Elle aurait le potentiel d'accueillir 57 000 nouvelles unités, mais ce sera plutôt la moitié pour le moment, puisqu'elle n'a pas les infrastructures nécessaires. Si ça dépasse les nombres d'unités prévues, là, ça devient un peu plus complexe. On a des problèmes de capacité d'eau. Il y a des problèmes aussi potentiellement avec les égouts. La capacité n'est pas encore là. Prochaine station, de l'autre côté du fleuve, Île-des-Sœurs. D'ici, il faudra à peine 6 minutes pour se rendre au centre-ville. Des immeubles sont déjà en construction à proximité de la gare. Cet ancien édifice à bureaux est en train d'être converti en logement. D'autres projets immobiliers pourraient voir le jour, la construction d'un hôtel notamment. Puis nous traversons le cœur de Montréal pour aller jusqu'au nord de l'île, station Bois-Franc. Ici, près de 8000 logements seront construits à proximité de la gare, dans les arrondissements Saint-Laurent et Onsic-Cartierville. Plusieurs chantiers sont en activité. Des bâtiments sont déjà complétés. On est en amont. Quand on a fait la planification du TOD, c'était bien avant que le REM va être mis en service. Ça permettra à nos résidents d'avoir accès et visiter ou travailler ailleurs, mais aussi ça permettra les travailleurs pour nos secteurs industriels où nous avons plus que 106 000 emplois d'avoir un accès sans qu'ils ont besoin d'amener leur auto. Dernier arrêt, deux montagnes. Deux stations du REM y sont en construction. C'est génial, ça va nous aider à rejoindre Montréal beaucoup plus facilement.
sans la voiture. Et moi, je suis très contente parce que bien, mon conjoint prenait le train avant. Maintenant, dans le fond, il va le prendre. Il va avoir plus d'horaires, dans le fond. Là. Ça va passer plus souvent. En espérant que ça va changer pour notre ville. La métamorphose est déjà commencée. Les immeubles comme celui-ci vont se multiplier, selon le maire Denis Martin. Un 40 logements avec un commerce de proximité au rez-de-chaussée, c'est ce qui est recherché. Des édifices de 8 à 10 étages pourront être construits autour de la gare Grand Moulin. La possibilité d'ériger des tours de 20 étages au bord de l'eau est à l'étude. Des immeubles à logements font leur apparition à côté des maisons unifamiliales. Le contraste est parfois saisissant. Ça accroche l'œil. Il faut essayer d'avoir la vision dans 15 ans, qu'est-ce que ça va être l'air. Au niveau urbanistique, tu peux avoir un immeuble à 4 étages avec une résidence comme voisin. Donc, c'est certain que ça crée une distorsion à court terme. Mais éventuellement, bien, ça va se développer. Comme le territoire de Deux-Montagnes est déjà entièrement occupé, les promoteurs doivent acquérir les résidences une par une pour redévelopper le secteur. Ce sont donc les propriétaires qui imposent leur rythme. Avec sa maison située tout juste à côté de la gare Grand Moulin, Luc Patry est sollicité de toutes parts. On serait intéressé à acheter votre maison, puis on serait prêt à vous faire des offres sans condition. C'est alléchant. Mais pour qu'il plie bagage, l'offre devra être substantielle. Je ne quitterai pas en bas de facilement 750, 1 million. Avec l'arrivée du REM, la population de Deux-Montagnes devrait bondir de 30 % d'ici 2030 pour atteindre 24 000 résidents sur un territoire d'à peine 6 km carrés. Impact sur la circulation, perte de tranquillité, cette densification suscite les inquiétudes de certains citoyens. Il a fallu avoir plusieurs consultations. Comme on dit, c'est pas 100 % de la population non plus qui prend le transport en commun, c'est peut-être 30 % donc il y a un 70 % qui avait besoin d'être convaincu. Qu'on le veuille ou non, le REM transformera le paysage un peu partout où il passera.